Bonjour tout le monde, bonjour c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le quoi? On est le jeudi. Ouais, on est le jeudi, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer le réveil dans lequel j'ai investi qui prouve qu'on est bien jeudi 27. Voilà. J'ai toujours du mal avec le temps. Et une fois n'est pas coutume, je vous fais découvrir un petit peu mon décor parce que voilà. Je me suis aperçue que tout le monde montrait le décor et vous n'avez jamais vu le mien. Alors, écoutez, voilà, comme ça vous saurez dans quel cadre je travaille. Et vous voyez aussi que j'ai pas énormément de place et que je privilégie d'abord et avant tout, évidemment, le fait que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, on y va pour le tirage. Alors, je vais vous faire les prévisions du mois d'août. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah bah alors là, je n'ai même pas eu le temps de vous dire ce que je voulais faire exactement. Et j'ai déjà ça qui tombe. Ouais, le mois d'août, je voulais regarder pour la France. Bon, bah écoutez, apparemment, on va entendre parler certainement d'une campagne de ceci, VAX, en relation avec les bébés. Alors peut-être que c'est la fameuse campagne, vous savez, de papillomavirus, hein. Pour les jeunes filles, puisque c'est en relation évidemment avec les questions de fertilité et de bébé. Alors ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Bon, bah écoutez, évidemment, comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai le chat qui braille. Il ne me laisse pas, hein. Bon, ça voilà. En tout cas, merci pour la dernière fois pour le live, hein. Ça m'a fait très plaisir de vous faire ce live. Je tenais à vous le dire. Bon, allez, le mois d'août. Donc, je vais essayer de me concentrer parce que c'est pas facile, hein, quand on essaie de voir une période de temps. Donc, le mois d'août en France, les événements importants. Allez, c'est parti. Alors, il y a des histoires de rouages et des histoires. Alors, moi, le Black Rocher, j'ai plutôt tendance à le voir comme une montagne, donc plutôt comme une difficulté. Je regarde pas forcément ce qu'il y a sur la carte, hein. Donc des difficultés, je dirais plutôt. Ouais, des difficultés sur le mois d'août. D'accord? Bon. Ouais, bah, il faut sortir un petit peu de ce qui est marqué sur la carte. Moi, je suis comme ça avec mes cartes. Voilà. C'est important, c'est de que la carte me parle ou que je vois ce qu'il y a d'important sur la carte. Allez, le mois d'août. Qu'est-ce qu'on va avoir d'important? Et puis je ferai évidemment les autres jeux. Sachant que j'en ai commandé certains. Et que je vous ferai découvrir. Alors, c'est marrant, elle sort tout le temps celle-là. C'est la déshumanisation. Vous avez remarqué qu'on entend de plus en plus d'agressions, enfin, on entend parler d'agressions, notamment sur des jeunes gens, de la part de jeunes gens, hein. Il y a quelque chose qui est en route là, qui n'est pas bon du tout. Moi, je me fais beaucoup de soucis sur les jeunes, plutôt par rapport aux jeunes. Je trouve que c'est une jeune génération. Alors, quand je dis jeune génération, c'est à partir de 15 ans, quoi. 15-25. Je trouve que cette génération-là, elle est complètement paumée, quoi. Elle n'a pas de repères. Elle est ultra-violente. Elle veut tout, tout de suite, sans effort. Enfin, il y a une perte de... Ouais, de, bah voilà, d'humanisation, d'humanité. Alors, on va avoir, excusez-moi, des lois sur le mois d'août avec de la sur-sang. Bah oui, puisque, comme on l'a vu pendant le live, celle-ci arrive le 25 août. OK. Et on a le départ de quelqu'un. Bon, bah écoutez, on va regarder tout ça. Alors, je vais encore refaire un petit coup de divine actu en espérant que ça sorte bien aujourd'hui. Et puis, vous savez que le divine actu, il ne faut pas en sortir de trop parce que c'est quand même un jeu événementiel. Donc évidemment, après il va nous sortir plein d'événements, hein. Donc il faut mélanger avec d'autres cartes. Alors, ben tiens, ça c'est curieux. On a les zombies et les ONG. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir dans le monde aussi des personnes. Vous voyez que ce personnage, il est très maigre. Des personnes certainement qui risquent d'avoir des problèmes au niveau de la nourriture. Alors, c'est pas la France, mais enfin bon. J'ai des lois des par de, le Parlement, il me dit oui. Donc, il va bien y avoir des lois qui vont passer. Ici, bah, écoutez, réunion, hein, donc, ils sont en train vraiment de plancher sur le sujet de la sur-sang. Comment est-ce qu'ils vont nous mettre ça en route? Quelles mesures, etc., quoi. Enfin, toutes les modalités, hein. Et là, le départ de quoi?
Alors, le départ est une abondance. Bon, là, par contre, je vais prendre un autre jeu. Pour, encore une fois, pour rester cohérente. Je vous prends le Aurora, qui est la particularité de donner justement beaucoup de domaines différents. Donc, ça, c'est bien. Alors, moi, j'étais partie sur la France, mais à mon avis, ça, c'est pas la France. Hein. C'est plutôt le monde. Par contre, ça, c'est la France, ça, c'est la France. Et ça, je ne sais pas. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mois d'août? On va refaire une petite coupe. Alors, il y a quelque chose de mauvais. Ça commence bien. De mauvais et de malheur. Malheur ou malheureux. Quelque chose de mauvais qui arrive. C'est curieux parce qu'on a quand même un flacon avec du poison ici. Et là, on a quelque chose de toxique. Hein. D'ici, est-ce qu'il nous reprépare encore un truc du genre maladie sur le mois d'août? Bon. Alors, on va mettre deux cartes sur chaque, ok? Ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est les lois. La sur 100. Le départ et l'abondance. On va voir. Alors, ça peut être l'économie pour moi, l'abondance. Hein, d'accord? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une réussite par rapport à une torpeur ou un cauchemar. Alors, ça, c'est pas très bon, par contre. Hein. Une torpeur et un cauchemar. Bon. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ça se marie pas très bien ensemble. Hein. Des lois dans lesquelles on va se faire plumer, puisque ce sont des lois qui vont jouer un petit peu sur notre ignorance, sur notre crédulité. Il y a un homme qui est derrière tout ça. D'accord. Donc, des lois pipeau, quoi. Ici, ouais, bah écoutez, voilà, quoi. Vous voyez, ça, c'est les réseaux sociaux, les communautés. Soutien, confiance, et les communautés. Et là, eh bien, peur. Donc, on veut faire peur aux gens qui sont ensemble, qui se rassemblent et qui se ressemblent. Parce qu'ils ont, ils ou elles, ont les mêmes idées. Bon, bah écoutez, on sait à quoi s'attendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a enfant, nouveau, ok. Donc, on a quelque chose éventuellement de nouveau, mais qui prend du retard. Alors, on va regarder ce que c'est. Départ. Bon, là, je ne vois pas de quoi il s'agit. Un départ, et c'est en relation avec l'abondance. Un non. Alors, un non. Donc, il y a quelqu'un qui refuse quelque chose. Du coup, cette personne s'en va ou quitte. Quitte, alors quitte quoi? Peut-être quitte l'économie. Peut-être quitte quelque chose au niveau de l'économie. Ouais. On va regarder ce que c'est. Ouais, il y a la fin de quelque chose là. Mais c'est au niveau économique, hein. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un partenaire économique ou un pays au niveau de l'économie qui quitte, alors un organisme, je pense que c'est un organisme économique, et il y a le départ de quelqu'un. Mais alors, sous un délai. Sous un délai. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est aussi la fragilité. Ouais, donc ça va fragiliser certainement un organisme économique ou éventuellement financier, parce que c'est l'abondance. Il y a le départ de quelqu'un. Un pays, ouais, un pays très certainement. Je ne sais pas exactement quel organisme au niveau économique, mais on va voir si on peut avoir autre chose. Ouais, ça va créer de la colère ou des tensions. Donc, on va dire, je dirais que c'est un pays ou une personne, donc un dirigeant, quoi, un dirigeant d'un pays, qui quitte un organisme en relation avec l'économie en général, ça peut être aussi les banques, ça fragilise ce fameux organisme économique. Et ça provoque la fin de quelque chose et du coup également des tensions. Ça provoque également une fragilisation ou une fragilité de cet organisme. Mais comme il y a plein d'organismes économiques, je ne sais pas duquel il s'agit. Mais c'est quelque chose qui est important apparemment. Bon, donc là c'est la sursaut, on a compris. On va regarder du côté des lois, parce que là il nous prépare encore un truc pour nous plumer, hein, la crédulité. Hein. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Alors, ça va créer encore un embrasement. Ouais, donc il y a encore un truc qui arrive là. Mais c'est marrant parce que, apparemment, il y a des questions de faveur ou de don. Donc, ça veut dire que ce serait une loi qui serait plutôt dans le don à.
Mais c'est pour nous plumer. Donc c'est en fait encore une loi où il va y avoir des aides. Et en fait, ça va être encore des fausses aides, puisque ça suscite une passion ou un embrasement. Mais je ne sais pas dans quel domaine. Ouais, il y a bien des changements. Ok. Des changements. Il y a toujours le masque de la séduction. Mais alors, je ne sais pas dans quel domaine. Alors, est-ce qu'on pourra avoir éventuellement le domaine? On va peut-être demander un autre jeu. Attendez, on va prendre. Du coup, j'ai rangé tous mes jeux, moi. Voilà, donc je ne les trouve plus. Bah tiens, on va prendre l'autre jeu de Indigo. Parce que là aussi, on peut avoir des informations. Alors, bon, vous avez compris, il y a une loi qui va passer sous les allures d'une fausse générosité, j'ai envie de dire. Mais qui est en fait pour nous plumer. Alors, dans quel domaine? Dans quel domaine? On va reprendre la coupe quand même. Ouais, donc il y a bien un changement, effectivement. Bon, c'est le domaine des foyers, apparemment, hein. Donc les gens, quoi. Tout simplement. Les foyers. Les foyers. Alors, quoi dans les foyers? Bon, il y a bien. Alors, c'est une loi qui s'appliquera peut-être pas tout de suite. Il y a bien quelque chose qui est prévu ici. Alors, la famille ou les foyers. La famille ou les foyers. Il y a des lois. Alors, est-ce que ça peut être. Parce que c'est aussi les racines. Est-ce que ça peut être les dons? Les dons que l'on peut faire, par exemple, entre membres de la famille. Est-ce que c'est les histoires d'héritage? Parce que j'ai quand même l'hérédité et les dons. Il y a un truc là, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça sort. On va voir si on peut avoir encore d'autres lois. Bon, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Moi, je dirais bien les histoires de succession ou de donation. Voilà. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a le don. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bah ça va susciter apparemment de la foudre, hein. Ouais. Ouais, c'est bien les foyers. Et ça coupe une. Ça fait une séparation des. Non, c'est pas une séparation, pardon, c'est les épées. Puis je sais pas pourquoi, apparemment, cette loi, elle va être très mal acceptée. Parce que c'est une loi qui va susciter des controverses. Et ça touche bien les foyers. Voilà, on a de la colère ici. C'est bien en relation avec des dons ou des subventions au niveau familial. Ouais, il y a un truc, hein. Bon. Alors, je ne sais pas. Peut-être la transmission de biens, de maison, vous voyez, parce que c'est quand même les questions de foyer. Transmission, succession, immobilière. Enfin, bref, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va refaire un jeu. Je range tout ça et je reviens avec un autre jeu. Voilà. Alors, on va faire un petit coup de grand oracle français. Voilà. Et on va essayer de revoir un petit peu ce qui peut arriver sur le mois d'août. Ah, alors il y a des choses en suspense ou en suspens par rapport à l'étranger ou à un étranger. Bon, bah écoutez, ok. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas fait des prévisions de juillet. Non, mais le mois de juillet a été tellement dégueulasse que, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, que bah, quelque part, j'ai dû le sentir, quoi, hein, parce qu'on n'a eu que des catastrophes sur le mois de juillet. Hein. Enfin bref. Ouais, donc, bon. J'avais essayé de le faire, hein, pour vous dire la vérité, mais je ne sais pas. J'avais que des cartes horribles, donc je n'ai pas fait. Mais je vous fais le mois d'août. Voilà. Alors, le mois d'août, on va faire en 9, hein. Alors, sur la France, les choses importantes. J'ai quelqu'un qui râle derrière moi. Donc ça, comme d'habitude. Ben viens, ton fils, si tu veux, viens. Alors, des choses, de la souplesse et sincérité. Bon, ben écoutez, ça ne me dit rien. Attendez, je vais quand même m'occuper du chat. Bon, c'est bon, j'ai refilé le chat à ma fille. Du coup, voilà, j'ai refait une coupe. Et ben, il m'a perturbé, hein. Ah, attendez, je remélange du coup. Alors, le mois d'août. Alors, l'été et la fuite. Bon, ok. Pour l'instant, j'en saurai pas plus. Donc, on va faire 9 cartes. Hein. Allez, on y va. Le mois d'août en France, les événements importants. Les événements importants, alors que ce soit politique, économique, financier, les choses importantes, quoi. Voilà. Alors, on y va. L'automne. Oui, bon, on a quand même encore un peu de temps, hein. Le partenariat.
Le retard ou la grève, ça peut être la grève. Les choses concernant les familles. Ah bah la carte au milieu, c'est carrément la solitude. Bon. Un refus et une crise. Ah bah victoire. Ici, on a l'hiver. Bon, alors les cartes de temps, je vais peut-être les enlever, hein, parce qu'elles ne vont rien apporter vraiment au tirage. Donc on va les recouvrir tout de suite. Bon, ici, on a un retard, un refus et une crise. On va regarder rapidement, est-ce que c'est la fameuse grève des policiers dont on a parlé pendant le live? Non, il y a quelque chose par rapport aux enfants, là. Bon. Ok. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. On va recontinuer par là. Et des réflexions. Bon. Il y a quelque chose par rapport aux enfants qui entraîne un refus des réflexions. Quelque chose qui est bloqué. Et il y a un choc émotionnel. Alors, est-ce que c'est peut-être le petit garçon qui avait disparu en juillet? Parce que c'est quand même l'enfant. Et du coup, ben, il y a peut-être des découvertes. Enfin, bref, non, pas des découvertes, mais des réflexions en ce sens. Et un refus. Enfin, il y a quelque chose par rapport à un enfant ou des enfants. J'essaierai d'approfondir avec un autre jeu. Ici, j'ai dit que j'allais retirer mes cartes de temps. Parce qu'elles ne m'apprennent rien, étant donné que je fais le mois d'août. Hein. Je te vois les retirer, en fait, quand je fais le tirage sur un mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un excès de quelque chose, un partenaire, un excès et une solitude. On est bien sur la France, là. Un partenaire, est-ce que c'est partenaire politique? Ah ouais. Il y a quelque chose au niveau politique ou des institutions, là. C'est un peu compliqué à déchiffrer, je dois dire. Mais il y a une démesure au niveau d'un partenariat, au niveau des institutions, qui crée du coup une solitude. Ouais, c'est bien l'Élysée, ça. C'est bien le gouvernement. Ok. Alors, est-ce que c'est le fameux remaniement? C'est les chaises musicales, vous voyez, en fait. Il y en a un qui part et les autres qui se redistribue parmi les chaises restantes. C'est du n'importe quoi. Bon, il y a un truc là. Ça peut être aussi en relation avec toujours la fameuse grève, hein, parce qu'il y a des excès qui conduisent à la solitude et il y a des histoires de partenariat. Alors, est-ce que c'est les syndicats de police, hein, il y a un projet. Bon, bah, écoutez, j'en sais pas plus. Hein. Mais il y a des excès. Alors, reprenons. Il y a des excès de. Ben, on va essayer de voir. Des excès de quoi? Parce que là, je vois pas. Des excès au niveau des loisirs. Ou des sorties. Est-ce que ça peut être les excès financiers? Est-ce que c'est les histoires de budget? Parce que loisirs, sorties, ça peut montrer aussi un petit peu ben, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on dépense pour s'amuser. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout les histoires de grève. Si ça se trouve, c'est les histoires de budget, là. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi j'ai ça, parce que c'est aussi l'argent, la fortune et excès. Ouais, je me demande si c'est pas ça. Il y a des histoires de budget là-dedans. Donc, excès de dépenses, d'où excès au niveau des loisirs, excès de dépenses et un petit peu des histoires de chercher des solutions, quoi. Au niveau des projets. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ils sont en train de chercher le moyen de prendre des sous aux gens pour compenser leur démesure. Vous aviez la carte des démesures ici, de la démesure des excès. Oui, et voilà, il faut prendre la fuite. Bon, bah écoutez, en fait, en d'autres termes, ils sont en train de chercher à quelle sauce les Français vont être mangés pour résorber le déficit de la dette publique. Voilà, c'est bien dit, je pense. Hein. Bon, ben bah, c'est ça, cherchez pas. Ouais, bon, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a du coup? Un succès par rapport, alors, la mère, l'enfant et la tour. Alors, j'ai aucune idée de quoi il s'agit. On va regarder. Des choses secrètes. La mère et l'enfant, des choses secrètes. Dans quel domaine? Mais c'est des tracas. Bon, ça me dit pas le domaine, hein. Les soutiens. Alors, ça peut être le soutien pour les familles, éventuellement, parce que sinon, je vois pas. Parce que j'ai aussi c'est l'aide. Alors, une aide aux familles. Bon, pourquoi pas. Une aide pour les mères et pour les enfants. Oui, mais il y a des choses cachées là. On va essayer de remettre une autre carte.
vois pas trop ce que c'est. Ce mois d'août est bizarre. Mais c'est bien les histoires d'aide, hein, parce que j'ai une bouée. Donc, vous voyez, vous avez ici l'aide et là aussi l'aide. L'aide pour les femmes et les enfants. En tout cas, c'est ce qui sort ici, en dessous ma carte, là. La mère. Ouais, la mère et l'enfant. Bon, bah écoutez, il va y avoir des histoires d'aide. Voilà. D'aide pour une femme, pour les enfants, pour les familles. Il y a des questions d'être ligotée. Je ne sais pas exactement ce que je suis en train de vous sortir là. Bon, on va regarder simplement le fait qu'il va y avoir des histoires d'aide à une femme et un enfant. Mais là aussi, on ne nous dit pas tout. Et il y a des histoires aussi de défense. Donc, c'est bien la défense de la famille. Hein. Bon. Là, par contre, je ne vois pas trop ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est quand on est ligoté. Mais je ne vois pas trop ce que ça a fait dans le tirage. Bon, ok. Là, on va essayer d'approfondir. Donc, j'ai poussé celle-ci. Vous avez compris, hein, le budget et puis des histoires d'aide aux familles, certainement. Mais là, il y a autre chose. J'ai besoin de plus d'informations parce que je sens que c'est important. Alors, on va demander... on va redemander peut-être au Black Mirror, tiens. Plutôt, on va demander au Black Mirror. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est un enfant en particulier ici? Ou est-ce que c'est par rapport à des enfants? Là, je ne sais pas, par contre. De quoi s'agit-il ici? Il y a un blocage, hein. Alors, il y a le cœur... Non, pardon, il y a la santé. Excusez-moi, il y a la santé... Et un œil diabolique, un œil démoniaque. Ouais, la santé. Alors, est-ce que c'est les questions de santé? Est-ce que les questions de santé? Ça peut être les histoires de l'Olympique des malfaisants, là, de la santé. Hein. Vous savez, le fameux programme pour les enfants. Hein. Ouais, prise de tête et fardeau. Ah, c'est possible que ce soit ça, puisqu'il y a quand même un refus. Un refus. Et ça, ça peut être justement les traumatismes, parce que c'est les troubles psychologiques et le choc émotionnel. Donc, les traumatismes pour les enfants par rapport à ce programme. Parce que j'ai les histoires de santé qui étaient sorties en coupe. Et là, on est en train de réfléchir comment, justement, alléger le fardeau. Ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Je pense que ça peut être ça. Parce que ce programme suscite, évidemment, beaucoup de refus et de rejets. Et c'est une bonne chose. Il faut que ce soit rejeté. Alors, est-ce que c'est ceci? Ouais, ouais. Il y a une recherche d'équilibre de façon à ce que ce programme diabolique soit accepté. Parce que ça suscite de la discorde. Hein. Bon, ben, ça peut être ça, hein. Donc, ce ne serait pas par rapport au petit garçon, Émile. Non, ce serait plus par rapport aux enfants en général. Les questions de solitude. Ah, il y a les questions de maison. Et les questions d'alliance. Bon, j'en saurais pas plus. Hein. J'en saurais pas plus. Mais ça doit être ça, à mon avis. Ça doit être ça. Bon, ok. On va voir s'il y a autre chose qui sort. Bon, il y a déjà pas mal de petites choses qui sont sorties. J'ai pas d'événements particuliers. C'est plutôt des histoires de loi, de réflexion. C'est plutôt ça qui sort. On va essayer de voir peut-être avec le... Ouais, peut-être avec le jeu de haut, tiens. Pas que je fasse la vidéo trop longue non plus, mais... Est-ce qu'on a des événements importants? Les briques sont pas sorties. Alors, on a une porte, une escalade vers les contraintes. Bon, ça, c'est clair, au moins. Ça a le mérite d'être clair. Une escalade vers des contraintes, oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques événements sur le mois d'août? Voilà. On va regarder ce qui sort. Je pense que le mois de septembre sera beaucoup plus remuant. Mais bon. Ah, il y en a deux qui voulaient sortir. Bon, je vais en prendre qu'une. Hein. Ok. Alors, des gens qui demandent des sacrifices, un changement de conscience, quelque chose qui est mis en lumière, de l'eau, alors ça peut être le problème d'eau, hein. Des conseils, des recommandations, les enfants, la tempête, le mauvais temps, je ne sais jamais dans quel sens la mettre, voilà, comme ça, et les questions de soins, ou les questions médicales.
Bon, ben on va mettre des grandes cartes, hein. Allez, hop, on y va. Si j'arrive à les trouver, comme d'habitude. Voilà, je les ai trouvées. Elles étaient dans la boîte. Bien, alors si on est en diagonale, ça ne me dit pas grand-chose, mais ce n'est pas des bonnes cartes aux extrémités, hein. Ça dépend parce qu'en fait, ça peut être des gens qui demandent, comme des gens qui sont dans la mendicité ici, hein. Y a une paupérisation de la France qui est en train de s'accélérer. Et j'avais sorti toujours les cartes de destruction du pays, moi, l'année dernière et cette année, hein, ça sortait toujours avec mon Dixit. Et je peux vous dire que 2024, ce ne sera pas mieux. Au contraire, ça va encore être pire. Ben oui, comment voulez-vous que ça fonctionne? On n'a plus d'énergie, le prix d'électricité, ben, vous avez vu, il a augmenté de 10% pour les particuliers. Mais pour les entreprises, c'est pas mieux, hein. Donc, la production va s'arrêter. Attendre. Alors, attendre une aide. Oui, bon. Ici, humiliation en lumière. Humiliation mise en lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des soins? Habitude. Alors, ça peut montrer que les gens ont pris un petit peu l'habitude d'avoir des aides, hein, par rapport à la conjoncture économique catastrophique. Donc, habitude d'être un petit peu pris en charge. C'est un peu ça que ça me fait penser. Ça montre aussi l'échec de la politique mise en route par notre cher Gouv. C'est possible que ce soit ça. Bon. Alors, prendre. On prend quelque chose, là. Je n'ai pas du tout cette carte-là. Attaque. Alors, attaque avec de l'eau. Bon. Je vous dis, faites attention à l'eau, hein. Ça, je vous l'ai dit dans le live aussi. Chagrin et tempête. Bon, alors, la colonne du milieu est définitivement très mauvaise. Bon. Alors, courage. Ouais. Ça, c'est les gens qui dépriment. On voit très bien le changement de conscience. Et là, on dit courage. Il faut faire preuve de courage. C'est vous qui m'écoutez. Ben oui, ben, vous savez, on a nos arrière-grands-parents qui ont eu des années difficiles avec la Seconde Guerre. Hein, donc, ils avaient dû faire preuve de courage aussi. C'est ce qu'on nous demande, faire preuve de courage. Mentir, bon, on va nous faire donner des conseils ou faire des recommandations qui sont encore des mensonges. Donc ça, c'est encore du pipeau. Et là, expert, expert pour faire peur. Bah, ça promet, hein. Bon, alors, reprenons. Il faut s'attendre à une attaque des experts. Bon, comme ça, c'est aussi clair. C'est-à-dire qu'ils vont continuer dans leur technique de faire peur aux gens, de décourager les gens, de désespérer les gens. Mais vous savez, vous pouvez aussi faire en sorte de ne pas toujours écouter les mauvaises nouvelles, hein. Vous pouvez aller aussi écouter des belles musiques ou écouter des belles vidéos. Moi, j'ai découvert le frère Adrien Paul, qui est génial, qui me fait beaucoup rire et qui fait beaucoup de bien au moral, hein. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez aussi aller regarder des belles choses, hein. Il n'y a pas que toujours des choses mauvaises et négatives. Mais en tout cas, sachez que il faut s'attendre à une attaque des experts pour nous faire peur et nous décourager. Et les attaques aussi concernant l'eau. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Prendre, attaque et chagrin. Bon, ben voilà, c'est pareil, hein. Prendre, il y a des questions de sacrifice. On va regarder de quoi il s'agit. Évidemment, ça peut être encore et toujours des attaques, malheureusement. Des attaques, mais des agressions, quoi. Des agressions qui provoquent du chagrin. Donc, on peut prendre, bah, prendre peut-être la vie même, hein. Prendre la vie de personne, ou en tout cas prendre quelque chose qui fait que la personne va être blessée. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu encore le cas d'un pauvre gosse de 15 ans, là, Enzo, pardon, qui s'est fait agresser. Pour rien, comme d'habitude, la violence gratuite, et qui est décédée, mais personne n'en parle. Hein. Moi, si c'était mon fils, je serais folle. Hein, je veux dire, je ne sais pas comment les parents peuvent continuer dans cette société où on fait du mal à leurs enfants. Voilà. Il va falloir vraiment apprendre à se défendre. Et s'il y a des parents, des grands-parents qui m'écoutent, moi, je conseille vraiment, si vous avez des enfants, des petits-enfants, de pousser vos enfants ou vos petits-enfants vers des sports de combat, hein, parce que va falloir apprendre à se défendre. Bon, alors, je finis de blablater. Bon, ici, j'ai fait, hein. On va quand même regarder ce que c'est, là. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir un problème de santé, vous voyez.
Donc, il y a encore une agression, là. Bon. Une agression qui va susciter du chagrin. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que au milieu, il faut faire attention à l'eau, mais si on prend la colonne, ça peut vouloir dire tout simplement aussi qu'il y aura une attaque avec donc une agression sur quelqu'un, avec donc les questions effectivement d'hôpital, hein, par exemple, ou de médecin, mais aussi que cette attaque, au niveau de la transparence, il peut y avoir un problème. Parce que c'est la transparence. En tout cas, c'est quelque chose qui va susciter beaucoup de chagrin. Ouais, c'est vraiment encore, voilà, c'est les gens. Donc, il y a bien une agression encore sur des gens qui se promènent dans la rue, par exemple. Et c'est en train de s'étendre, malheureusement, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'attaques. Je vous dis, vraiment, méfiez-vous quand vous sortez, prenez quelque chose pour vous défendre. Je suis désolée, mais on en est là, hein. Parce que bah, les choses n'ont pas tellement bougé. Bon. Sur l'attaque, j'ai rien d'autre, hein. J'ai juste les questions d'eau. Mais pour moi, c'est les questions de transparence. Mais qui ne seront peut-être pas faites. Ok. Ici, on va regarder au niveau des mensonges qui sont donnés. Alors, il y a quelque chose qui est planifié. Pardon, la carte s'est retournée. Quelque chose qui est planifié au niveau des mensonges. Ah, ça fait deux fois. On a quelqu'un qui parle à des enfants. Alors, des mensonges planifiés pour les enfants. C'est peut-être encore ce programme de l'Olympique des malfaisants de la santé, hein, vous savez. Hein. C'est possible aussi, tout simplement, si je vois la colonne dans ce sens-là, c'est que effectivement, il va falloir faire preuve de courage. Alors, je sais bien que la rentrée, c'est en septembre, mais il y a quelque chose qui va dans ce sens. Hein. Experts qui vont faire peur aux enfants. Ouais, on retrouve un peu les mêmes choses. Bon, après, il y a autre chose ici qui sort. Bon, donc cette colonne-là, il n'y a rien d'autre. Alors, après, il y a les questions de militaire, d'isolement et de joie. Bon, alors, des cartes un peu contradictoires, là. On va faire une quatrième ligne, hein, si vous êtes encore là. Je me dépêche. De militaire, d'isolement et de joie. Voilà, j'ai pas recouvert, c'était pas nécessaire. Alors, un rêve. Donc, un rêve, un but, un espoir. Hein. Auto-saboteur. Bon, ben ça peut être vraiment la grève de la police, par exemple. Ouais. Qui sont mis un peu à l'isolement. Hein. En tout cas, il n'y en a pas un qui est en détention. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. On en avait parlé pendant le live. Ouais. Donc, il y a effectivement un soutien, en tout cas, des gens. Enfin, la police qui va se regrouper ici. Attendez, je décale un peu. Chez soi. Ah, chez soi. Bah oui, mais pourquoi chez soi? Est-ce qu'ils vont être renvoyés chez eux parce qu'il y a une joie? Si ça se trouve, ils ne vont pas avoir gain de cause. Mais moi, j'avais vu que ça allait durer quand même. Regardez, si c'est bien ceci. Il y a bien une impasse ou un espèce. Enfin, c'est pas tout à fait une impasse, mais ça peut. C'est une espèce de goulet d'étranglement ici, donc une situation difficile. Voilà. Death Hand, c'est bien une impasse. Ben si, finalement, c'était bien une impasse, voyez. Il y a une impasse par rapport à un rêve qui est peut-être un rêve militaire ou en tout cas un rêve de la part des officiers de police. Hein. Mais j'ai auto-saboteur. Attendez, il faut que j'arrive à trouver le fil conducteur, là. Mais je pense que c'est la grève de la police qui ressort ici. S'accrocher, ouais. Ouais, ça doit être ça. Il s'accroche. Mais un devoir qui conduit dans une impasse. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal au niveau de la police par rapport à leur grève, là. J'ai quand même auto-saboteur, un rêve. Un rêve, mais j'ai auto-saboteur. Et finalement, on revient chez soi. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, ils vont devoir revenir chez eux? Il y a quelqu'un qui arrive à la rescousse. Hein, on ne sait pas qui c'est encore. En tout cas, il y a un espoir, un vœu. Ouais, il y a encore la question de repos. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire de grève de la police, là. Quelqu'un qui va, ouais, qui va intercéder ou qui va faire peut-être que les choses rentrent dans l'ordre. Enfin, j'en sais rien. Alors, nu et sans défense. Donc, quelqu'un qui intervient dans une situation. Apparence. Et vrai. J'ai quand même un doute par rapport à la grève de la police. Bon, on verra bien sur le mois d'août ce qui sort. Mais j'ai l'impression que
qu'à la suite de l'intervention d'une personne, eh bien, finalement, tout ceci conduise à ce que les policiers rentrent chez eux, ce qu'il me dit vérité, vrai. Donc, des choses qui vont se réaliser, qui vont être vraies. Et on a une apparence, avec un vœu qui reste dans les apparences. Ouais. Bon, ok, bah, on verra bien. Bon, pour l'instant, je vois rien d'autre. Hein. Il faut que je me dépêche parce que j'ai pratiquement plus de batterie. On va demander rapidement quand même si on va avoir des nouvelles du petit Émile. Hein. Si je pense que vous attendez éventuellement. On va demander aux cartes postales. Rapidement. Oui, je me suis dit, je me suis trompée. Hein, les cartes postales, je les ai bien achetées sur Amazon. Hein. Vous m'excuserez, hein, les personnes qui m'ont demandé où j'ai acheté mes cartes postales. Non, c'est pas sur Etsy, c'est vraiment sur Amazon. Bon. Bah, vous trouverez. Alors, va-t-on avoir des nouvelles du petit garçon? C'est secret. Vous voyez, il y a des secrets là-dedans. Hein. Il y a des secrets. Alors là, j'ai le ciel. J'ai le ciel. J'ai le ciel. Mais j'ai aussi les avions dans le ciel. Donc, c'est comme si on faisait beaucoup de d'air. On brasse beaucoup d'air. Ça me fait penser à ça, moi. Parce qu'il y a des avions. Donc, c'est comme si, en fait, on mettait plein de choses en route. Des choses puissantes. Et puis, finalement, c'est de l'air, quoi. Ça n'aboutit à rien. Bon, ben voilà, le silence. Non, mais il y a des choses cachées. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est évident qu'il y a des choses cachées. Oui, mais je vous confirme. Je vous confirme. Moi, je pense qu'on ne saura pas ce qui lui est arrivé. Hein, confirmation. Ouais, non, mais. La foudre, l'éclair, la colère. Ouais. Le cœur. Ben oui, les gens, ils veulent savoir. Hein. Les gens veulent savoir. Les gens, ils sont impliqués quelque part émotionnellement. Et ils sont en colère. Le bouton reset, marche arrêt. Ben écoutez, on ne saura pas plus. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression. Hein. Marche arrêt, donc c'est la fin, quoi. Ouais, bof, ça bouge pas. Le désert, non. C'est calme, ça bouge pas. Voilà, vous voyez la porte. La porte reste fermée. Alors, la pilule rouge, la pilule bleue. Vous voulez savoir la vérité ou pas? C'est un peu ça, hein. Moi, c'est comme ça que j'interprète ma carte. J'ai une porte sur le mensonge, une porte sur la vérité. Le souvenir. Ils vont mettre des affiches partout, mais enfin bon. Ouais, l'ananas, ça c'est l'étranger. Ben voilà, l'étranger qui sort. Ben, il n'est plus là. Hein. Non. Et ça va susciter beaucoup de disputes aussi, peut-être dans la famille. Ah, voyez, encore le monde. Non, mais je vous dis, il est plus là, le petit. Il n'est plus là. Et qu'est-ce qui reste? Ben, voilà, le cœur. Ah, ça fait un cœur. Hein. Le cœur, mais c'est aussi des liens. Alors, les liens, c'est des liens. C'est les liens, mais c'est aussi le départ. Vous avez les oiseaux, là. Le départ. Bon, les questions de nourriture, je ne sais pas pourquoi ça sort. Non, mais j'ai rien, j'ai rien. J'ai rien. Non, j'ai rien. Ça bouge pas. On ne saura pas. Bon, voilà. Je vous laisse parce que ma vidéo, elle va encore durer une plombe. Je reviendrai vous vers un autre tirage et je vous dis à bientôt. Au revoir.